C'est une demande pour le moins originale que vient de faire Paulo Dybala. La star du football a fait sa proposition devant la célèbre fontaine de Trevi, offrant à sa sublime compagne une bague sensationnelle. La suite après la publicité plutôt logique qu'un joueur que l'on surnomme la Joya, le bijou en espagnol, offre une bague époustouflante à sa compagne. Paulo Dybala fait partie des stars du football et si sa carrière n'atteindra peut-être pas les sommets espérés à ses débuts, il continue de faire profiter les supporters de sa technique et de sa classe au-dessus de la moyenne. Le joueur de 29 ans évolue actuellement à la Roma, après plusieurs années à la Juventus Turin aux côtés de Paul Pogba. En décembre dernier, il a eu la joie de faire partie de l'équipe des Argentines championne du monde au Qatar, en compagnie de Lionel Messi et d'Emiliano Martinez. Côté cœur, Paulo Dybala est en couple depuis plus de 5 ans avec la sublime Oriana Sabatini. Actrice, mannequin et également chanteuse, la belle brune de 27 ans partage la vie du footballeur depuis 2018 et il y a quelques jours, ce dernier a décidé de se jeter à l'eau en demandant sa chérie en mariage. Pour ce faire, l'Argentin qui vit à Rome s'est rendu avec plusieurs coéquipiers, dont Leandro Paredes, ancien joueur du Paris Saint-Germain, devant la très célèbre fontaine de Trevi, où les touristes se rendent en grand nombre. Après avoir jeté une pièce dans l'eau, le sportif se tourne vers son amoureuse pour lui faire sa demande en mariage. Elle accepte et leurs amis se mettent alors à célébrer comme lors d'un match. L'autre jour, l'amour de ma vie m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Je suis la plus heureuse du monde, écrit-elle en légende de la vidéo de cette demande assez originale. Madame Messi et Madame Ronaldo réagissent un beau moment pour les deux tourtereaux et comme Oriana Sabatini l'a montré sur son compte Instagram, son futur mari n'a pas lésiné sur la bague de fiançailles. La jeune femme a eu la chance de recevoir une bague sertie d'une énorme pierre précieuse et elle semble avoir du mal à y croire. Pour toujours, ajoute-t-elle, une preuve de plus que leur histoire semble faite pour s'inscrire dans la durée. Une superbe nouvelle qui a visiblement fait très plaisir à plusieurs femmes de footballeurs, à commencer par Antonella Roccuzzo, la femme de Lionel Messi et Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Désormais fiancée à la belle Oriana Sabatini, Paulo Dybala va pouvoir préparer la cérémonie de mariage sereinement. La suite après la publicité.